grand chef. Je suis là pour faire un témoignage sur le boucan, ou comment j'appelle ça, grosse merde qui se passe à l'Institut de gestion. Moi-même, étant étudiant à l'Institut de gestion, je peux très bien t'expliquer toute la merde qu'il y a, quoi. Parce que ça fait mal. Ça me fait mal à moi, ça me fait mal pour tous ceux qui viendront après moi, ça me fait mal pour tous ceux qui sont à l'Institut de gestion en ce moment. Ça fait très mal. Alors, grand, à l'Institut de gestion, là-bas, l'Institut de gestion a un problème. On parle de meilleure école de gestion, en tout temps, c'est une grosse merde. Hein? Je n'arrive pas à comprendre comment une école, de la tête aux pieds, peut être dirigée par des femmes. Ça, d'abord, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, le directeur général, c'est un homme, mais même lui, il s'est fait diguer. Quand il s'est fait diguer, moi, il dit ça. Je ne peux pas citer les noms. Je ne peux pas citer les noms dans ma note. Je ne peux pas citer les noms. Un tout court, en fait. Mais il s'est fait diguer par un gars qui est dans l'institut. Moi, il dit ça. Tu sais, on a commencé, nous, bon, ma promotion, on a commencé les cours en janvier. Je vais préciser l'année, mais on a commencé les cours en janvier. On a bouclé en décembre. Pour faire sortir PV grand, ça sort, PV provisoire. Alors, faites des recours s'il y a des erreurs. On a fait une affaire de 4, 5, 6 recours. Les notes ne changent pas. On subit, on subit. Ils nous mettent les notes qu'ils veulent, ils ne nous mettent pas les notes qui sont sur nos copies. Ils font comme ils veulent. Comme le pays-là les appartient, ce sont les gens d'Ali Bongo. Ils font ce qu'ils veulent. Nos notes, on ne reconnaît pas. Beau faire le recours pour dire qu'on ne reconnaît pas nos notes. Rien! Rien! Sur 395 élèves, il y a peut-être 19 personnes qui passent. Et sur 19 personnes, il y a une personne qui est au passage normal, une seule. Qui est un passage normal, le reste, c'est le passage conditionnel. Sur 395 personnes, tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent casser le moral aux gens, pour que les gens partent s'inscrire ailleurs, bien pour que les gens quittent l'école, machin. Grand, moi, je suis là pour témoigner. À l'institut, je suis arrivé un bon matin. J'ai vu un élément, il semblait malade mentalement, mais il était dans l'institut, tu vois. Il parlait à haute voix. Donc, en parlant, il a eu à citer le nom d'une femme, la femme en question qui digue le directeur général. Il a eu à citer le nom de la femme hein, en disant que vous n'aurez plus jamais mon cul. So. Donc, quand tu fais ça, quand tu dis ça, pour les personnes attentives, excusez-moi, pour les personnes attentives comme moi, nous regardons la personne qui a dit ça, il semble fou. Et c'est vrai que dans sa folie, il a encore une conscience, il sait encore. En fait, on a l'impression que sa folie est née quelque part. Et le quelque part, c'est son cul en question, dont la femme qui dit que l'institut de gestion l'a touché, si je peux le dire ainsi. En fait, c'est-à-dire que la femme qui dirige l'institut de gestion, la cassette de l'institut de gestion, l'entouma, peut-être dans une partout, vous avez ces frangins, bien ces gars du PDG, l'entouma au petit en lui disant qu'il devait trouver le travail, entre temps, il n'a pas trouvé le travail, il est même devenu fou. Mais dans sa folie, il y a encore la conscience que c'est la femme-là qui l'a rendu fou parce qu'il a donné son quice. Bon. C'est compliqué, quand c'est compliqué. L'école-là nous fait chier. Je n'arrive même pas à bien t'expliquer les choses. Comment, je n'arrive pas d'abord à comprendre que comment lorsque nous terminons le semestre, semestre qui fait 6 mois, on termine un semestre. On nous demande de faire 3 mois à la maison. Nous faisons 3 mois à la maison. On revient 3 mois après pour commencer le deuxième semestre. Deuxième semestre, nos résultats du premier semestre ne sont pas sortis. On termine le deuxième semestre. Tous les résultats sortent. Lorsque tous les résultats sortent, il y a des erreurs. Quand on va vers la direction pour nos erreurs,
On nous demande de faire le recours. Nous faisons le recours, on nous demande de déposer les copies. Nous déposons les copies. Les originales, hein? Excuse-moi, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas le français. On dit une copie, donc au pluriel, c'est les originales. Donc on dépose les originales à la direction. Ils nous disent, OK, ils vont changer. Les second résultat, les second PV sortent. Les notes ont pas été changées. Ils nous font comprendre qu'ils ont perdu nos copies. Mais comment ça, vous avez perdu nos copies? La femme d'abord chez qui on part remettre les dossiers pour les recours, la femme en question, quand elle est en train de manger ses arachides à son bureau, elle prend les enveloppes, elle les jette derrière elle, elle dit que nous avons déjà fait le recours, donc on attend juste les prochains résultats. La bonne dame, ce jour-là, elle est arrivée aux environs de 10 heures. Une femme qui doit arriver à l'administration à 8 heures, elle arrive à 10 heures, presque 11 heures, et elle ferme son bureau avant 13h30. Or, les administrations au Gabon ferment à 15h30. Donc, elle vient juste au bureau pour faire 2 heures de temps. Elle est payée pour ça. Prendre les enveloppes, les jeter derrière elle, mettre des cachets sur les papiers, manger ses arachides au bureau. Franchement, je ne comprends pas le système, en fait. Mais à la fin, elle ne pourrait pas prendre son argent en banque et nourrir sa famille. Ses enfants, c'est même ceux qu'elle les envoie à l'étranger parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Ou bien, c'est peut-être même que ses enfants viennent aussi à l'institut, mais pour que ses enfants passent, elle-même, elle a rangé notre. On avait un site grand sur Hyper Planning. On avait un site où il y avait nos bulletins. Ils nous ont bloqué ça. Parce que nos bonnes moyennes étaient sur Hyper Planning. Ils ont bloqué le site pour qu'on ne puisse plus regarder nos notes. Pour ensuite nous mettre les notes qu'ils veulent pour nous faire redoubler, pour nous casser au moral, pour que nous puissions aller ailleurs, laisser la place à d'autres personnes, sachant bien qu'ils continuent à encaisser l'argent de l'État. Oh non, non. Pourtant, nous sommes déjà inscrits dans les privés, dans les autres, dans les privés en tout cas. Mais eux, ils continuent à bouffer nos noms, en envoyant nos noms. Et continuer à bouffer de l'argent autant pour moi en envoyant nos noms à l'État. Parce qu'ils veulent s'enrichir pour des personnes qui ne sont pas pour des fantômes. Nos bourses passent à peine. Vraiment à peine. C'est pas aussi quel système ils ont. Nous avons terminé l'école le 10 décembre. Nous sommes quasiment au mois de mai. Nous sommes au mois de mai, grand. Ils n'ont pas affiché les résultats finaux. Nos bourses sont bloquées. Ils n'ont même pas eu le temps d'envoyer les vrais résultats à l'ANBG. Grand bas de grand chef. Le sky là, c'est vraiment le cul. Franchement, j'aurais même voulu apprendre à l'UOB. Parce que l'UOB, au moins, je pouvais m'attendre à ça. L'institut, c'est la merde. L'institut, c'est l'IOB 2.0, l'IOB en tenue. Et tous ces maboules-là, quand on leur demande de ne pas faire au concours, ils se disent que nous sommes jaloux d'eux, ou bien que nous ne voulons pas qu'eux réussissent là où nous on est en train de réussir. Mais on ne réussit pas là où nous sommes. On nous fait subir la merde. Les personnes qui doivent passer, ce sont ces personnes-là qui redoublent les rigolos en classe. Les gens qui sont absents tous les jours, ce sont ceux qui se trouvent avec 60 crédits. Les 56 crédits, je ne sais même pas comment ils ont fait. Si c'est la ligne du parent ou c'est la ligne de tantine ou tonton qui a arrangé, notamment fils. Nous, on ne sait pas. Parce que d'abord, le système, c'est ça. Partout là où on va, il faut appeler, il faut avoir les parents. Nous qui n'avons pas les parents là, on se dit, on fait les recours, on fait les recours, on fait 6 recours, aucun changement. On nous demande d'écrire à Monsieur le Directeur Général. Monsieur le Directeur Général en question ne reçoit jamais nos lettres. Il ne reçoit jamais nos recours. Il ne reçoit jamais nos problèmes. Pour qu'il puisse savoir qu'il y a un problème, il faut qu'un parent d'un étudiant passe. Il y a une qui a failli se suicider ou bien il s'est suicidé l'année passée, grand, à cause de tout ça là. Parce que l'institut l'a fait reprendre, en tout cas, elle ne doit pas reprendre. Elle n'a pas eu le cœur, elle s'est suicidée.
Moi, non. En fait, parfois, je suis dans ma chambre, je suis à peinard, sur mon WhatsApp, je tag à quelques personnes, mes contacts, je tag. Et puis, je vois vos conversations dans le groupe. Je dis, mais ceux-là, vraiment, ils sont en train de s'embarquer. La chose, elle est simple. Elle est très simple. Vous êtes étudiant à l'Institut de gestion. Nous tous, on connaît la réalité de l'Institut de gestion. Il n'y a pas qu'une personne qui va dire qui ne connaît pas ces réalités-là. Nous tous savons que les PV définitifs qui sont sortis, ce sont les PV, les mêmes PV provisoires qu'ils ont fait sortir avant. Ils ont fait peut-être passer quelques personnes de plus. Hein? Ce que vous faites là, c'est de la mascarade. Ce que vous faites, c'est de la mascarade. Parce que vous ne faites que parler sur WhatsApp en ligne. Et dans le, ce qui est bizarre, c'est que dans le groupe, il n'y a aucun membre de l'administration. Donc, ce que vous faites, vous ne faites que vous plaindre. Vous plaindre. Agissez un peu, on va voir. Agissez. Moi, quand je parle à l'Institut, je ne m'arrête pas là où vous arrêtez. Je m'arrête pas à la direction. Moi, quand je parle à l'Institut, je pose secrétariat du directeur général. Je m'assois peinard. La secrétaire me regarde, je regarde la secrétaire. Quand elle me dit que j'ai capitaine, je parle. Si ça atteint les oreilles du DE, c'est une bonne chose. Si ça n'atteint pas parce que j'étais seul, ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vous, vous êtes là, vous fatiguez à discuter dans le groupe. Oh, à quel niveau. Les chefs de classe de notre première année, eux, ils sont en deuxième année. Ils n'ont plus rien à foutre de ce que vous avez dit. Hein? Ce que vous faites là, j'ai dit bien, c'est de la mascarade. Allez-y, à la direction. Comme d'habitude, vous allez demander vos PV, on va vous dire ça va sortir telle date. En attendant, on vous demande de vous réinscrire. Bon, supposons que là, j'ai dit, si je vais me faire réinscrire en tant que redoublant en première année, Kelly, il s'avère que les vrais PV définitifs sortent après. C'est simple, une fois que j'aurai payé pour le statut de redoublant, je vais simplement réclamer que ma réinscription soit transformé en inscription pour la deuxième année. Mais, pour le moment, je dis, je suis peinard, je mène ma vie tranquille. Tranquille. Aujourd'hui, maintenant que je vais décider d'aller à l'Institut, je pars à l'Institut. Si je dis que je ne peux pas m'asseoir en L3, je ne peux pas m'asseoir en L3. Je suis étudiant de l'Institut. Maintenant, vous fatiguez en fait. Vous fatiguez. Des fois, quand ils voient même vos messages, je ris parce que tellement il y a des gens qui pensent prendre ça au sérieux. En tout cas, ils prennent ça à la légère. Vous voulez faire avancer les choses, mais vous vous cachez derrière votre téléphone. Vous êtes chez vous, peinard, et vous vous demandez à quel niveau. Il n'y a personne pour vous répondre. Personne. Bonsoir, mon frère. Tu as exactement raison. Tu as totalement raison. Quand on demande aux gens de se retrouver, ce n'est qu'une minorité de personnes, 3 ou 4 personnes. On ne peut rien faire. Quand on demande de se retrouver, soyons nombreux. Soyons nombreux, mais les gens ne viennent pas, ils sont assis chez eux. Ils demandent juste les nouvelles par WhatsApp et tout. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et puis les chefs de classe ne motivent pas les autres. Moi, je voyais ça hein, quand j'étais en première année. L'année que j'ai eu le bac, là, la première année, il y avait les redoublants ou encore il y avait les rattrapeurs qui venaient faire cours dans notre classe et qui avaient des problèmes. Je voyais comment nos chefs de classe résolvaient les problèmes des rattrapeurs. Mais apparemment, les chefs de classe que je vois dans le groupe, là, ils s'en foutent, ils sont déjà passés, il n'y a rien à faire, chacun gère sa vie. C'est pas bien. Chef de classe, c'est pas parce que tu es passé, mais les autres qui étaient avec toi, il faut leur aider. Ce n'est pas parce que tu es passé que tu vas maintenant t'en foutre des autres. Tu restes chef de classe. On ne fait pas ça, c'est pas bien du tout. C'est ce que moi j'ai constaté, hein. Parce que depuis qu'on parle sur là-bas, à part si je ne les connais pas, mais je ne vois pas des chefs de classe se mobiliser ou encore faire un truc. C'est pas sérieux et c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Okay, bon, bonsoir grand, excuse-moi vraiment du dérangement. En fait, chacun à l'Institut a son problème à l'Institut. Hein. Mais moi, je viens un peu parler par rapport au problème que nous, en ce moment, nous vivons un peu dans notre département, en fait.
L'institut, déjà, il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation et les professeurs font comme ils veulent. Et à chaque fois qu'on essaye de se plaindre, on nous menace du genre, voilà quoi, que vous n'avez pas de mots à dire. Mais en tant qu'étudiants, quand même, je pense que nous avons quand même, avec l'administration, nous devons quand même nous entendre sur le fonctionnement. Et par exemple, là, nous sommes en train de vivre un moment, nous, je suis en commerce international, par exemple, nous avons pratiquement 14 à 16 matières. Et généralement, quand on fait les examens à l'institut, après l'examen, on nous donne au moins une semaine de cours, de repos, c'est-à-dire une semaine de préparation de l'examen. Et après, l'autre semaine qui suit, on entame les examens. Là, par exemple, on nous fait comprendre que on va avoir l'examen, mais on n'a même pas encore terminé les matières que nous devons avoir au semestre. On n'a pas de semaine de repos. Ça s'enchaîne et ça vraiment nous épuise. Et quand on va vers l'administration, comme je vous ai dit, on nous menace, on nous montre que vraiment, voilà, soit on apprend, soit on arrête d'apprendre. Et là, par exemple, nous avons des jeunes, des étudiants, des petites filles qui pleurent parce que le rythme n'est pas bon. Nous sommes surchargés, les enseignants sont. En fait, ils ne respectent même pas le programme. Quelqu'un ne peut pas venir nous donner un fascicule de près de 20 chapitres. Il n'explique pas, il part. Après, on vient faire un devoir. Donc, le devoir, pendant que tu lis le fascicule, un autre ajoute son fascicule, l'autre ajoute son fascicule. Quand tu lis, le devoir vient sur le dernier chapitre même du fascicule. Tu es peut-être encore même au troisième chapitre. Donc, c'est pas possible. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas vraiment grand. On ne s'en sort pas. Comme je dis, et quand on va se plaindre, on te dit, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es étudiant, subis ça comme ça. Et c'est pas bon. Comment voulez-vous former des gens avec ce rythme-là? L'institut fait vraiment dans le désordre. Et tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Grand. Bonsoir. Vraiment désolé du dérangement. Merci d'avoir pris en compte vraiment nos mots dans cette école. Parce que vraiment, cette école, ce qui fait mal, parce que c'était une bonne école. Pendant pendant la période de nos parents, c'était vraiment une école exemplaire. Mais aujourd'hui, vraiment, cette école, c'est vraiment la merde, grand. Je ne parle là où je te parle, il y a des grands qui sont en master, machin, BTS, qui ont fini depuis, mais qui n'ont pas encore reçu leur diplôme. Et là-bas, on passe toute notre vie à faire les recours sur des notes. Ils sont incapables d'être. Vraiment, ils sont incapables d'être réglo avec les étudiants. L'administration, ce n'est pas la peine. Ils sont embrouillés. Personne ne communique avec. L'administration là-bas ne communique pas avec elle-même. C'est chacun fait son travail du genre comme il veut. Chacun décide à l'heure à laquelle il veut partir. Et puis, c'est nous qui payons les pots cassés. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça pourrait être nos petits frères, nos enfants qui vont dans cette école. Nous voulons vraiment changer l'image de cette école. Que le directeur général n'est même pas au courant de ce qui se passe dans sa propre école. Et c'est inadmissible parce que c'est son école. Il est censé savoir ce qui se passe. Mais une fois, il a fallu qu'on puisse faire un tapage pour qu'il sorte, pour qu'il sache vraiment que après combien de mois, les étudiants n'ont pas pu recevoir leur note. Après combien de mois, nous avons fait combien de mois à la maison en attendant, pendant que les autres ont terminé déjà leur deuxième année. Nous sommes là encore à commencer la première année, deuxième année. C'est vraiment, vraiment regrettable pour nous parce que ça nous met en arrière. Vraiment, nous ne pouvons plus rien faire. Nous pouvons aller dans une autre école parce qu'on a déjà perdu 2 ans à l'institut. C'est vraiment, vraiment regrettable. Grand pardon. Il faut trouver une solution à nos problèmes. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous sommes appelés à avoir le même message. Je ne sais pas trop si les autres ont eu à réagir ou pas. Bon, je suis étudiant en deuxième année. J'étais censé passer en troisième année cette année-ci pour la session 2022-2023. Depuis l'an dernier, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de problèmes, mais
là, cette année-ci, c'est vraiment très, très compliqué. L'année dernière, on a eu à faire le premier semestre tranquillement en licence 1. Le semestre 2, pour raison de Covid, on a eu à faire les examens en ligne. Les examens en ligne, là, lorsque les notes sont sorties, on doit faire comprendre qu'il y a des notes qui ont disparu sur le système et autres. Donc, on a eu à accorder des gens de 10 académiques et qu'on sort. Et malgré cela, il y a des gens qui ont eu à redoubler avec les 44 crédits, 46 crédits et autres. Il n'y a pas le passage conditionnel. Mais voilà qu'arrivé en licence 2, on rencontre encore ce même problème. On a eu à faire toute l'année. Convenablement, on a eu à faire les devoirs et autres. On a fait les devoirs. Semestre, on a fait les devoirs. Semestre 4, on a fait les devoirs. Mais lorsque les PV sortent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. On demande de faire le premier recours. On a eu à faire le recours. On a joint nos copies originales. On a eu à mentionner les professeurs, les unités d'enseignement où il y avait des soucis et autres. Le deuxième PV sort. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes notes qui réapparaissent. Tu peux t'envoyer nos PV de licence 2. Enfin, regardez toi-même. Quant au PV qu'ils ont sorti pour le premier recours, le deuxième recours, le troisième recours, tu vas voir que quasiment rien n'a changé. Ils ont peut-être changé deux ou trois personnes, au maximum une dizaine de personnes, mais le reste, là, rien n'a changé. Exemple, dans ma classe, on était à 11 d'avoir fait le recours. Chez nous, rien n'a bougé. Et pourtant, on a mis la copie originale. On a mentionné nos professeurs. On a mentionné le devoir en question. On a mis les copies, on a tout fait, mais rien n'a changé. On a demandé de venir faire encore un recours, on a fait le deuxième recours, rien n'a changé. On fait le troisième recours, rien ne change. On est encore allé faire aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 13, mais nous sommes encore allés faire un autre, donc le quatrième recours pour le même problème, mais rien ne change. On doit venir nous inscrire. On va s'inscrire comment si nos notes ne changent pas? On doit venir reprendre la deuxième année alors qu'on est censé passer en classe supérieure, vu qu'on a validé nos matières, bon, nos modules en fait. On a validé nos modules, mais rien ne change. On veut nous inscrire. Attends. On passe voir les femmes d'administration. Des femmes impolies. Sérieusement impolies. Là, tu as expliqué ton problème. On n'arrive même pas à te laisser venir déposer ton recours. On te dit le recours, c'est le temps. Aujourd'hui, nous sommes vendus. Tu es vendu à 15h. Tu as déposé ton recours à 13h. On te dit non. Le délai est fini. Oh, il faut passer tel jour. Il faut passer. Non. Oh, c'est plus le moment. Attends. Quand on fixe un délai, il nous fixe un recours. Et notre sortie, pourtant, pour aujourd'hui, et notre sortie quand? Le 11, on a fixé les deux jours de recours, le 12 et le 13. Donc, tu peux déposer ton recours. Mais il y a des dames à l'institut qui vont... Non, vraiment. Elles te répondent comme si tu étais moins que rien. C'est même pas que tu viens demander des notes ou bien demander des points ou je sais pas trop. Tu viens juste réclamer ce qui te revient. Vu que tes copies sont là. Mais à certains gens qui réclament, les copies sont là. Les professeurs ont rendu les copies. Les professeurs ont rendu eux-mêmes leur relevé de notes, toutes les notes y figurent, tu ramènes ta copie, on te dit non, non conforme, puis on te dit non, fraude, c'est pas trop. Attends, mais c'est du foutage de gueule totalement. Le DG, on ne sait pas s'il est dans l'école ou s'il n'est pas là, vu qu'il ne fait même pas signe de vie, on est là toujours à s'adresser aux mêmes femmes, que ce soit Madame Mapeba, Madame Angué, toutes elles sont les mêmes dames. Nous répondre comme si on était des moins que rien. La seule dame au moins qui peut se préoccuper un peu de l'état de tout un chacun, c'est peut-être Madame Bouna, notre ADE, c'est peut-être la seule qui s'est préoccupée un peu de tout le monde. Et là, tu conçois que, par exemple, tu allais en licence 3. On te fait comprendre que non, en licence 3, pour valider l'année, il faut t'inscrire deux fois. Donc, tu peux les 35 000, par exemple, si tu t'inscris pour l'année là, pour les gens qui vont aller en licence 3 professionnelle, tu t'inscris l'année là, tu dois payer les 35 000 cette année. L'an prochain, tu dois payer 35 000. Tu ne soutiens pas pendant deux ans, tu vas soutenir quand ils veulent en fait. Qui n'ont pas être les plus chanceux, on se dit peut-être l'année prochaine. Attends, je vais t'envoyer la note vocale. Hein. La dame va nous explique que non, les plus chanceux doivent soutenir peut-être l'année prochaine. Nous, le reste là, on attend, on doit se faire réinscrire. On ne s'est réinscrit pas, on ne soutient pas et tout. Attends, je vais t'envoyer la note vocale. Parce que nous sommes à bout de souffle, on ne sait plus quoi faire. On a amené nos parents le 12, là-bas ça a chauffé un peu, mais. Je pense sinon pas vraiment plus compte. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé là-bas, c'était quasiment le même petit cinéma qu'ils font aux gens.
et une fois de plus, large diffusion sur mon audio. Alors, je vous explique le fonctionnement des principes universitaires. Alors, vous, vous êtes inscrit en licence professionnelle en comptabilité, contrôle et audit au titre de l'année académique 2020-2021. Vous êtes en poursuite d'études et cette poursuite d'études va se conclure avec l'achèvement d'un cycle d'études, la licence. Autrement dit, en langage universitaire, vous ne pouvez pas accéder à un autre cycle sans avoir fini sur le cycle sur lequel vous êtes engagé. Avant, vous passiez et vous êtes réinscrit normalement chaque année universitaire. Un étudiant en poursuite d'études doit se réinscrire pour l'année académique qui suit. Donc, ce principe, c'est le même qui vous poursuit pour l'année académique 2021-2022 parce qu'aucun d'entre vous de la promotion 2020-2021 n'a encore soutenu et personne ne peut soutenir l'année de l'inscription. En fait, il est convenu que vous souteniez pour les plus rapides, pour les plus chanceux, l'année qui suit. Ça veut dire que d'autres vont soutenir dans 2 ans et ce n'est que dans 2 ans. Mais ils sont tenus de faire l'inscription académique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est cette inscription académique et administratif qu'on vous demande de faire. Parce qu'il faut que moi, quand vous vous réinscrivez, je sais que vous vous êtes réinscrit, éventuellement, si vous avez des rattrapages, vous êtes tenu chaque fois de vous réinscrire. Et bien, c'est ce principe-là que le SG vous expose quand il demande d'aller payer pour l'année académique 2021-2022. Donc, vous êtes prié de respecter les délais ou vous ne pourrez même pas soutenir, parce que lorsque vous voudrez soutenir, la commission de soutenance va vous exiger la convention de stage. Donc, quand on vous la demande, ce n'est pas pour rien. L'attestation d'inscription 2020-2021 et 2021-2022. Donc, les deux attestations vous seront exigées. La plus récente, parce que vous ne pouvez pas avoir celle de 2022 si vous n'avez pas payé 2020-2021. Donc, j'espère avoir été clair. Cette fois-ci, allez faire vos formalités d'inscription. Vos résultats seront connus d'ici là. Mais je rappelle une dernière fois, aucun étudiant à ce jour, sauf miracle, n'a pu soutenir l'année d'inscription dans le diplôme.